Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo rapide de présentation et de test du casque VR1 de chez Orange. Un casque de réalité virtuelle à 49€ qui est commercialisé par Orange, comme son nom l'indique, dans lequel vous insérez votre smartphone avec l'application Orange VR 360. Alors ouvrons la bête. À l'intérieur, vous allez voir, il y a une prise jack donc, qui permet de raccorder l'audio directement sur le téléphone. Une petite prise jack de 3,5 mm. À l'intérieur, vous pouvez glisser des smartphones de 160 à 83 par 83 mm maximum. Sur le dessus, c'est une petite molette qui permet de compenser les soucis de vision comme l'hypermétropie et la myopie. Là, vous avez des sangles qui permettent le réglage pour adapter le casque à la physionomie de votre tête. Vous voyez, là, sur le dessus, c'est bien moelleux. Les écouteurs sont également bien moelleux. En dessous, vous avez une petite touche pour le volume, une touche pour valider OK. Et sur le côté, des molettes qui permettent de régler la distance. Et donc là encore, c'est pour le confort visuel, la distance qui vous sépare du smartphone. Donc l'installation du smartphone se fait en ouvrant la petite trappe qui est sur le devant. Alors on appuie sur le bouton. On lance l'application. On la passe en vision VR. Vous voyez, là, ça me fait les deux écrans séparés. Et puis il suffit de connecter donc la prise jack pour avoir l'audio et puis de placer le smartphone à l'intérieur. Donc il y a des petits repères. Donc, vous placez, vous reclipez, enfin vous refermez le casque et c'est parti. Alors moi qui ai des problèmes de vue, qui suis porteur de lunettes, j'ai vraiment apprécié le petit système de réglage de la vision avec les deux molettes sur le côté et celle du dessus. Et j'ai même pu porter mes lunettes, les garder à l'intérieur parce que c'était assez confortable. Bilan du test, le produit est plutôt de bon rapport qualité-prix, 49€, c'est pas très cher. Il est confortable, il est pratique, il est efficace, bref, il n'y a pas de luminosité qui gêne, qui passe derrière l'écran. Non, c'est plutôt un produit sympa et qui plaira pas mal aux enfants, si mes filles en sont très fans. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à très bientôt pour un nouveau test. Ciao.